fait, je sais même pas ce que de quoi je vais vous parler dans cette vidéo, mais je vais juste parler comme ça un petit peu. J'ai décidé en fait de prendre quelques petits bonbons. C'est vrai que c'est une série en fait qui me plaisait déjà à la base, mais c'est vrai que je me disais, bon, encore une énième série, enfin en tout cas une série avec des zombies. J'avais déjà l'habitude de voir ça avec les jeux vidéo. Et donc du coup je me suis dit, allez, je vais juste le regarder comme ça. Et finalement je suis devenu un petit peu accro à cette série. Et donc là la saison 7 je crois. Donc du coup je suis en train de regarder les épisodes toutes les semaines, et c'est vrai que c'est assez plaisant, surtout en ce moment. Je vous dis rien du tout au niveau de l'histoire, mais c'est vrai que c'est un petit peu lent en ce moment, le rythme est un petit peu lent, mais je trouve ça toujours assez appréciable en fait. Sinon c'est vrai que je suis aussi une autre série, c'est Shameless.
prend pas vraiment au sérieux. C'est à la base en fait une. Déjà là, il y avait une version en fait britannique en fait qui était sortie il y a à peu près 10 ans. Et ils l'ont refait en fait, ils ont refait une version US. Et normalement, je suis pas très friand en fait des versions US. Mais là, je dois te dire que la version US est vraiment supérieure à la version UK. Et pour faire assez court, c'est en fait une famille de pauvres en fait aux États-Unis. Et le père est alcoolique et la mère est bipolaire. Et ils sont donc 5 enfants. Et donc c'est la grande sœur qui prend en charge tous les enfants en fait. Et, c'est assez. En fait, on s'attache très 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 vite aux personnages et les histoires sont assez loufoques, mais également assez terre à terre en fait. Et je dois dire que on rentre très vite dans l'histoire et on s'identifie à certains personnages et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, si vous avez la possibilité de regarder, par contre, c'est une série qui est plutôt destinée aux. Personne plus de, je dirais, 12 ans, même plus, peut-être 14, plus de 14 ans, plus de 16 ans, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion de regarder cette série, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment super. Voilà, en tout cas, je l'adore. Sur ma chaîne, donc je suis très content, je vous remercie beaucoup.
du vlog qui m'a pris un peu plus de temps, en tout cas au niveau du montage et de filmer toutes les scènes, donc je suis content que ça vous ait plu. Et je comptais en fait faire un petit best-of de certaines de mes vidéos parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants en fait qui ne connaissent peut-être pas mes anciennes vidéos, qui ne prennent pas finalement le temps de regarder mes anciennes vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas vous proposer en fait une rétrospective en fait de mes anciennes vidéos. Donc je pense que je vais vous faire ça, un petit best-of des vidéos, des petits moments en fait qui pourraient peut-être vous relaxer ou autre qui pourraient vous plaire. Et comme ça vous permettra en tout cas aux nouvelles personnes de découvrir des vidéos peut-être qui n'auraient pas eu qui n'auraient pas regardé finalement, parce que voilà, elles sont peut-être trop vieilles, mais elles sont tout autant bonnes, en tout cas j'espère. Et ça me permettra aussi de voir si vous les avez vues. Je vous demanderai pourquoi pas de commenter pour voir si vous avez regardé mes anciennes vidéos, ça me fera toujours plaisir. Et ouais, je comptais vous faire ça, donc j'espère que je pourrai le faire assez rapidement, en tout cas on verra. Sinon, ben, je ne sais pas. C'est assez compliqué en fait quand on se dit tiens, je vais vous filmer. En fait, je voulais me faire un petit défi, poser la caméra et parler pendant un certain temps. Et si vous savez idées en fait de vidéos qui pourraient être intéressantes, n'hésitez pas en fait à mettre ces idées dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, je vous réponds pas forcément parce que c'est vrai que c'est assez compliqué en fait de répondre à tous les commentaires. Il y a même si je un peu.
voulais juste vous filmer quelque chose comme ça, assez rapidement. Et voilà, vous faire une petite discussion sur le canapé. Bon, moi je vais vous laisser, je vais aller dormir.